Hypotypose. Hypotypose. Joli mot plein d'assonance. Hypotypose. Qui consiste à donner de ce qui est simplement écrit ou dit l'impression de l'avoir véritablement sous les yeux. Vos rendez-vous avec le miroir se faisaient le samedi après-midi quand votre papa et votre maman s'en allaient faire leurs courses et que grand-mère épluchait les légumes dans la véranda à côté ou bien qu'elle reprisait dans sa chambre les chaussettes en fin de vie. La conscience de Victor Hugo. Ah, vous l'aimez bien, cette sombre histoire de Cain poursuivi par le remords après avoir fait des misères à son petit frère Abel. Lorsqu'avec ses enfants, vêtu de peau de bête, échevelé, livide, au milieu des tempêtes. Toi, bientôt fini de faire le singe ? Elle arrivait toujours à l'improviste, la tempête de la grand-mère. Papa, talon, vache, cabane, calamité. Ce mot-là, il vous avait pas fallu longtemps pour le comprendre. Calamité, désastre, catastrophe. C'était votre petit frère, Calamité, qui vous piquait vos jouets pour vous les rendre abîmés, cassés. Calamité. Quelle idée il avait eue, celui-là, de venir au monde. Et pour la première fois, devant vos camarades, le givre de Maurice Carême. Vous avez tout dit, dans l'ordre, et avec le ton. Il vous a mis zéro. Mais tu as quel âge, mon gaillard? Tu as 12 ans. Il a 12 ans. Mais on n'entre pas au conservatoire à 12 ans, mon petit. Hein? Il faudra attendre tes 18 ans. Tes 18 ans pour passer le concours d'entrée au conservatoire. Alors l'hiver, vous allez vous coucher avec une brique. Une brique que votre grand-mère a fait chauffer dans le feu continu, le poêle à charbon, Nestor Martin, dans la salle à manger. Vous glissiez la brique enveloppée de papier journal, la Voix du Nord de la veille, qui sentait un peu le papier brûlé. Vous glissiez la brique dans vos draps glacés. Et c'était presque bon de se mettre au lit. Pour faire le portrait d'un oiseau, conseil Jacques Prévert. Comme vous auriez aimé vous trouver à la place de ce Jean-Marc-là, avec sa capacité à capter, captiver, capturer le regard de votre papa et de votre maman. Comme vous auriez aimé leur donner à voir à votre papa et à votre maman, maintenant que vous saviez bien lire, à travers mots et silences, le monde des poètes. Comme un éternel temps des cerises. Pourquoi il faut prendre son temps? Le poète s'excuse presque d'avoir à le dire, le mot, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron. L'Achéron, c'est le fleuve des enfers, les enfants. Capable d'enrichir en un jour l'Achéron. Faisait aux animaux. La guerre. Et là, on s'arrête. On prend son temps. Vous gonflez les poumons, vos mots sont là, tout prêts à se donner à voir, et vous ouvrez la bouche. Interminable, c'est tout ce qu'on dit de lui. Mais tout à fait inattendu. Vous l'avez jamais répété à cette heure-là. Dans les cerises, c'est de ce coin-là que je garde de peur. Le plein vert, vert, vert.